Et salut mes petits bandits, c'est Zetchi. Comme vous avez vu dans le titre, je vais voir Bigfoot Junior en avant-première grâce à Anouib. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Johnny Dreams, de Aurélien Sama et de Bubble Tea avec une de ses filles qui s'appelle Athéna. Et on se voit tout de suite. Et allez les gens, maintenant nous sommes prêts et on y va tout de suite avec mes deux enfants. Bonjour, je m'appelle Chloé King. Oui, je vous appelle Anthony. Voilà, à tout de suite. Était un enfant comme les autres. Mais un jour, il découvre la vérité sur ses origines et décide de partir à l'aventure. Et quelle aventure! Au secours! Vous êtes qui? Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père. Mon père, c'est le Bigfoot? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Rien. Est-ce que je vais devenir comme toi? T'as déjà dû remarquer des changements? Comme les cheveux qui poussent de 10 cm dans la nuit? Oh, ou les pieds qui sortent tout à coup des chaussures? Et c'est pas tout, tu peux aussi parler aux animaux? La forme, les gars! Ravi de te rencontrer, petit! J'ai dû fuir parce qu'on voulait ma peau. Ces gens ne reculeront devant rien pour avoir ce qu'ils veulent. Non! Papa a besoin de nous! Notre seule chance de réussir, c'est de s'y mettre tous ensemble! Vous êtes tous prêts? Je suis toujours prêt. En avant! Laissez faire les professionnels. Oh, crotte. Alors, c'est agréable, hein? Je me suis jamais sorti aussi... Bigfoot Junior, au cinéma, le 16 août. Et voilà, vous avez vu la bande-annonce Bigfoot Junior. Je vous préviens déjà d'avance que je ne suis pas payé par N-Wave pour faire que de la promo et dire du bien que de ce film. Et je peux dire ce que j'ai envie de dire. Si je n'ai vraiment pas aimé du tout, alors je peux le dire, donc c'est dans mes droits. Mais au final, quand j'ai vu le film, j'ai vraiment bien aimé du début jusqu'à la fin. Franchement, regardez un extrait, il y a un petit easter eggs. J'espère que vous avez trouvé, dites-moi en commentaire tout de suite. Qui a parlé? Le B en approche. Avant, j'étais avec lui en histoire. Ce mec est trop bizarre. Je te jure, il a zéro patte. Salut Adam. Ça va comme tu veux? T'en vas pas? Je vais pas te mordre. Hé, Tony, regarde qui voilà. Tiens, la balance. Laissez-moi tranquille. Voilà, j'espère que vous avez vu l'easter egg dans ce petit extrait de Bigfoot Junior. Voilà, ben Adam découvre enfin ses petits pouvoirs parce qu'il est en âge de comprendre qui est le fils de Bigfoot. Alors, regardez un autre extrait, mais c'est vraiment assez marrant. Mais essayez de deviner un peu ce que l'oiseau vient de dire à Bigfoot en personne. Essayez de deviner. Je crois que j'ai ma dose d'entraînement Bigfoot pour aujourd'hui. J'ai une dernière chose à te montrer. Qu'est-ce qui va se passer ce coup-ci? Tu vas me jeter du haut d'une falaise? Non, je vais t'apprendre à parler aux animaux. Tu te fiches de moi? Attends, tu vas voir. Hé, hey Steve, viens par là! Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'adore ce gars! J'entends que des gazouillements. Moi, là-dessus, je dois pas être comme toi. Concentre-toi. Tu dois réussir à tout ralentir dans ta tête. C'est ça, le truc. Enfin, te rencontrer, Adam. Tu es bien plus beau en vrai que sur la photo. C'est pas vrai? Mais si, c'est vrai. Ça marche. Très content de vous connaître. Tu peux parler à vitesse normale. Les animaux nous comprennent très bien. Et je suis quoi, moi? De la fiente de moineau, je te jure. Moi, ils me présentent même pas. Les arbres parlent aussi, c'est fou. J'ai l'impression d'être dans une forêt magique. Ça va?
Les arbres ont jamais parlé. T'es complètement à la masse ou quoi? Sérieux, ce trappeur? Je suis enchanté. Pardon, je te présente la femme de ma vie, Witcha, la plus belle créature de toute la forêt. Oh, salut. Contente de faire enfin ta connaissance, Adam. Ton père nous parle si souvent de toi, il n'arrête pas. Tout homme qui se respecte doit avoir un fils. Moi aussi, je vais bientôt avoir des gamins, que des garçons. Oh, ça, on n'en sait rien. Si, moi, je le sens. Hé, comment ça va, les gars? Ça grandit bien, ça prend des forces. Génial. Il faut bien reconnaître que le petit a pas grand-chose d'un Bigfoot. Trappeur. Mais c'est quoi le problème? Je dis seulement ce que je vois. Il faudrait être aveugle, non? Ça, c'est un Bigfoot. Ça, c'est un petit homme. C'est de l'humain à 100%. Voilà, j'espère que vous allez mettre dans les commentaires ce que Steve vient de dire à Bigfoot et plus le Easter Eggs. Et dans le studio N-Wave, que dire? Finalement, on nous a expliqué vraiment de A à Z comment ça s'est déroulé pendant l'animation, comment ça s'est passé et tout, de passer 2D en 3D. Si je commence à expliquer, ça va s'éterniser, j'ai filmé quand même pas mal de choses là-bas finalement, pour mettre juste quelques trucs, mais je vais mettre à la fin de cette vidéo en live un des dessinateurs qui a créé Adam. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo, franchement ça nous fera plaisir, et faire connaître que le film va sortir le 16 août en France et le 2 août en Belgique. J'espère que vous serez nombreux à voir. Franchement, si moi je vais aller le voir, j'irai le revoir encore une fois parce que ça a vraiment été très cool. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Tchuss.